Les 30 jours du challenge de remise en forme se sont écoulés et j'espère que cela vous a aidé à mettre en place de nouvelles habitudes saines. Durant ces 30 jours, vous n'avez sans doute pas réussi à suivre des actions et des protocoles. Cela est normal et il ne faut pas vous en vouloir. Pour de nombreuses personnes, il y a sûrement eu beaucoup d'informations et de choses à changer en très peu de temps. Le risque dans cette situation, c'est de se sentir dépassé, que cela demande trop d'énergie pour finir par ne rien pouvoir suivre sérieusement. Rappelez-vous du 12e jour du challenge sur les priorités. Si vous êtes perdu avec tous ces conseils et que vous ne savez pas par quoi commencer, focalisez-vous sur les trois piliers les plus importants qui sont la trinité de la remise en forme, à savoir le sommeil, le renforcement musculaire et l'alimentation. Pour vous focaliser sur cette trinité de la remise en forme, retrouvez les conseils appropriés les jours concernant ces trois domaines. Une fois que vous aurez maîtrisé ces conseils en les mettant en application pendant au moins 3 mois, vous pourrez constater votre transformation. Vous pourrez ensuite optimiser votre remise en forme en appliquant le reste des conseils du challenge l'un après l'autre. Ce challenge est maintenant fini. C'est à vous seul qui avez la responsabilité de continuer sur le bon chemin. Mais ne restez pas isolé dans cette aventure, continuez d'échanger avec les membres du groupe privé du challenge. Eux aussi, comme vous, aspirent à devenir en meilleure forme. Si vous voulez aller plus loin et plus vite, vous pouvez me contacter pour personnaliser votre plan d'action ou vous procurer un de mes programmes de remise en forme de Formaclette. Merci d'avoir participé à ce challenge et d'avoir partagé votre retour pour améliorer le contenu. Si grâce à ce challenge, vous avez amélioré votre mode de vie et obtenu des résultats positifs sur vous, merci de partager votre témoignage. Cela permettra aux autres personnes qui n'osent pas encore faire le premier pas de se lancer eux aussi dans leur remise en forme. Dans ce cas, laissez un commentaire, publiez des photos, faites des vidéos ou contactez-moi en privé pour montrer aux autres ce que ce challenge vous a apporté à vous et ce que cela peut apporter aux autres comme bienfait. J'espère sincèrement que ce challenge vous a permis et vous permettra à l'avenir de bâtir un corps en meilleure forme pour la reconquête de votre santé. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre remise en forme. C'était Geoffrey de Formaclette. Forme à vous.